La deuxième fois que je le vois. J'ai beaucoup aimé la pièce. Ça m'a beaucoup plu et on entend d'autres choses et on peut revenir une troisième fois, je crois qu'on entendra encore d'autres choses. C'est un très beau texte, très fort, qui pose des questions essentielles. Une super dose entre le côté enfantin de la petite fille, la révolte contre la mort. C'est interprété avec beaucoup d'énergie et beaucoup de séduction par Pamina, je crois. J'ai ramené des amis. Apprivoiser la mort et ça se fait progressivement. On voit le cheminement de Julie au fil du temps, jusqu'à ce qu'elle arrive à fermer les yeux, ce qui est symbolique. On découvre comment parler de la mort sans que ce soit stressant, sans que ça fasse trop mal. C'est très agréable de voir des thèmes un petit peu lourds, mais traités avec justement le regard d'un enfant, avec pas mal d'humour, avec un chien. Un chien qui est formidable et qui apporte une note de drôle. Un personnage de chien qui nous rassure. Le rôle de la mort est incroyable aussi, avec cette espèce de double face, à la fois complètement flippante et très drôle. La mise en scène très réussie. De la réflexion, bien menée. Traité avec beaucoup de tendresse. Très fort, très drôle. Ça m'a beaucoup aimé. Plein d'émotions, qui fait beaucoup de bien. Très poétique. Première œuvre d'un collectif de jeunes qui ont la pêche et qui ont envie d'y aller et qui racontent des choses intelligentes et sympas. Et notamment pour les enfants. Parce que je pense que ça peut être une très bonne introduction pour une discussion sur la mort avec des enfants. Et en même temps, en tant qu'adulte, ça nous renvoie à ces questions essentielles. Je trouvais ça absolument génial. J'ai beaucoup aimé. C'est très chouette, une belle réussite. C'était génial. Très beau spectacle. Bravo, faut y aller.